Haïtiko à l'étranger, quel que soit côté où vous suivez Radio Téléconscience Haïtienne sous planète là. Mesdames, Messieurs, bonjour, bonsoir. Jeudi à ce mardi 19 décembre 2023, c'est deuxième édition RTCH Info pour semaine là. Mais quel point cap dominé actualité. Un tribunal fédéral dans Miami condamné jeudi mardi 19 décembre 2023, ancien sénateur département l'Ouest là, John Joel Joseph, pour passer reste la ville en prison à cause d'implication dans assassinat. Président Jovenel Moïse, John Joel Joseph qui gagne 52 l'année, te reconnaît devant tribunal, il était comploté pour éteindre souffle Jovenel Moïse. Coordonnateur général collectif parti signataire accord Montana Met Issuik Théophin dénoncé jouet roulem débord car il comme pour aider premier ministre haïtien Dr Ariel Henry rete sous pouvoir selon Met Issuik Théophin car il comme pas qu'à aider joignon solution dans crise là. Problème insécurité cap ravager pays d'Haïti depuis plusieurs années. Gen gros conséquences sur fonctionnement institution publique yo selon président sortant syndicat APN Wilfried Saint-Illus insécurité a obligé employé APN utiliser bateau pour vinn travail. Tribunal fédéral dans Miami condamné jeudi mardi 19 décembre 2023 ancien sénateur haïtien John Joel Joseph pour passer reste la ville en prison à cause implication dans assassinat président Jovenel Moïse selon agence Reuters ancien sénateur l'Ouest là qui gagne 52 l'année te reconnaître devant tribunal il était comploté pour éteindre souffle Jovenel Moïse dans l'idée pour l'été vienne premier ministre dans nouveau gouvernement qui t'a installé après crime Silla nous a rappelé John Joel Joseph qui était maon après assassinat te jeune arrestation li dans pays Jamaïque 15 janvier 2022 passé sous l'ordre FBI. Coordonnateur général collectif parti signataire accord Montana Met Issuik Théophin dénoncé jouet roulem débord CARICOM li dit cap aider premier ministre haïtien Dr Ariel Henry continuer kembe pouvoir nan organiser une série dialogue ak acteur politique pour faire temps passer Met Issuik Théophin qui fait connait moun ki responsable crise là pas capable à proposer solution continuer lancer appel en faveur mobilisation pour déraciner Ariel Henry nan tête pouvoir Met Issuik Théophin ses dirigeants collectif parti signataire accord Montana qui était dans micro radio téléconscience haïtienne. Nous dénoncer comportement CARICOM. Nous dénoncer les pratiques adoptées par la CARICOM et la communauté internationale. Nous faire un petit historique pour l'opinion publique nationale et internationale par rapport avec CARICOM. CARICOM est proposé par Canada. Et c'est les Américains qui ont boosté les Canadiens pour venir prendre cette mission en Haïti. Comme ils ont tellement fait gaffe, ils ont tellement fait malversation dans le pays, ils ont gêné pour prendre cette mission. Eh bien, ils ont proposé à ce que c'est CARICOM qui vienne remplir la fonction. Eh bien, CARICOM a gagné plusieurs rencontres qu'il a déjà fait avec acteurs haïtiens. Politiciens traditionnels, réactionnaires, ils ont fait plusieurs rencontres avec eux déjà. Eh bien, rencontre ça, ils n'ont pas couché, ils ont mouché. Politiciens traditionnels débarqués en Jamaïque pour aller rencontrer CARICOM. Encore une fois, ça n'a pas accouché, ils ont souri. CARICOM retourné encore en Haïti à plusieurs reprises. Ça n'a pas accouché, ils ont fumé. Et c'est même toujours, même Rado Kaleo qui toujours dans le dialogue, qui dans la négociation. Nous dénoncer politiciens traditionnels, réactionnaires, qui toujours dans le dialogue, qui toujours à chercher un petit tranche gâteau, mais qui ne va jamais impliquer pour permettre. Il y a une mobilisation effective pour déchouquer Ariel Henry.
Alors que plusieurs voix dans la classe politique là a levé pour demander Premier ministre haïtien Dr Ariel Henry quitter pouvoir 7 février Cap Vinila, dirigeant mouvement sociopolitique Bacop PM Ariel Henry, Clifford Stello et Junior Gracia Désir annoncé y a planté piquet 21 décembre Cap Vinila devant résidence officielle chef gouvernement Namiso pour porter support yo ak Premier ministre haïtien Dr Ariel Henry, yo dit qu'il doit joindre entente ak acteurs politiques yo pour organiser élection pendant l'année 2024 là. Dirigeant mouvement sociopolitique Bacop PM Ariel Henry, Clifford Stello et Junior Gracia Désir, tenant micro Radio Téléconscience Haïtienne. Étant conscient des difficultés que traverse notre cher Haïti, où toutes les institutions républicaines ont été détruites à cause des pratiques de corruption, de l'impunité, d'incapacité, la mauvaise gouvernance et d'amateurisme de nos dirigeants antérieurs. Le mouvement sociopolitique Bacop PM Ariel Henry constate qu'il est impérieux de sauver les acquis démocratiques, de réconcilier la nation avec elle-même et d'œuvrer pour la stabilité politique, la paix, la sécurité nécessaire à la croissance et au développement durable de ce pays. Le mouvement sociopolitique Bacop PM Ariel Henry constate qu'il est nécessaire d'inciter les acteurs politiques, sociaux et économiques à faire un ultime dépassement de soi pour éviter que le pays sombre dans le chaos total. Le mouvement sociopolitique Bacop PM Ariel Henry constate qu'il est absolument nécessaire de travailler pour sortir Haïti de la crise et d'une transition qui a plus que trop duré. Le mouvement sociopolitique Bacop PM Ariel Henry lance un appel à la famille politique haïtienne d'adjoindre un accord historique négocié, planifié et signé entre les protagonistes de la crise, afin de mettre en branle le processus de consultation devenant amener à un gouvernement d'ouverture constitué avec des personnalités qualifiées, crédibles et qui inspirent confiance à la population. Et ce gouvernement d'ouverture devra donner priorité à la situation sécuritaire du pays. Ce dernier aura pour obligation de trouver un accord planifié, négocié, signé avec tous les acteurs concernés pour que finalement le pays traverse la voie des élections générales, libres et démocratiques dans le pays, pour le retour à l'ordre démocratique et constitutionnel. Signaté accord 11-21 décembre, Naptonio, jeudi, Cap Vinila, devant Primati, pour nous réitérer l'engagement nous avec PM. Qui donc Naptonio et Nap Soubeton, pour nous souhaiter PM, et continuer bon travail, que bien engagement ça, parce que nous te balia et nous croyons dans l'engagement ça et nous espérons la courage pour le Québec engagement ça qui pas trop facile mais nous connaissons nous-mêmes n'a backup li pour que lui faire élection dans pays qui donc je dis n'attend tout le monde tous ses partisans pour nous répondre présent Mauri Mathieu parce que PM n'a besoin ça et nous-mêmes nous pensons que fin année il t'a supposé un cadeau côté mais c'est politique là une chance malheureusement nous mais c'est politique yo c'est ben pas la régler. C'est négociation, mais c'est un job. Le jeune ministère, une position générale, mais au parle pays. Dans ce sens, nous-mêmes, nous compétons face à PM non, pour que l'année qui vient là, va avoir une année électorale sans bruit, sans quoi. Syndicat employé APN organisé journée mardi 19 décembre 2023, élection pour mettre un nouveau comité dans tête syndicat pour venir remplacer comité Wilfried Saint-Illustre dirigé selon président conseil électoral circonstance APN Imael Aseus nouveau comité a cap gain 7 membres gain un mandat 4 l'année Imael Aseus qui exprime satisfaction pour déroulement élection yo fait connait résultat yo a bail dans fin journée mardi. Imael Aseus, c'est président conseil électoral, circonstance APN qui était dans micro Radio Téléconscience Haïtienne. Jusqu'à présent, l'élection est très bien, on a regardé les tendances là, bien cela. Donc jusqu'à présent, c'est pas. Il y a 7 postes. 7 postes, c'est président, c'est secrétaire général, c'est porte-parole, c'est secrétaire à l'organisation, secrétaire de formation, et secrétaire aux finances et ensuite secrétaire et aux revendications de 4 années. Pas une quartelle parce que chaque présenté comme un parti indépendant. Donc jusqu'à présent nous sommes bonne voie, bon déroulement. Normalement voilà était supposé camper à 2h, mais comme nous était prévu pour nous commencer à 8h, comme nous commencer à 9h jusqu'à presque 10h n'a camper vote là à 3h. 3h là arrivé nous camper ça. Si gars monde en ligne n'a fini recevoir monde en ligne et puis pour nous camper ça. Je pense n'a pour pause de seulement 30 minutes après ça pour nous retourner dans processus de dépouillement. Normalement nous même dans conseil électoral là nous travaillons sous une loi électorale. Donc c'est
c'est tout un boussole qui était là avant nous et que nous même nous venir dans conseil là nous avons une possibilité pour nous travailler sur. Mais il y a deux articles qui sont vraiment fondamentaux dans ça n'a parlé, il y a l'article 4 qui définit que le conseil électoral là est autonome et indépendant. Ensuite, l'article 5 là qui dit que toute décision du conseil électoral est sans appel. Donc, il y a toujours une contestation, c'est élection. D'ailleurs, si vous avez 40 ans, vous n'avez pas besoin de faire un conseil électoral pour ça. Automatiquement, et nous finissons par un résultat partiel, nous ouvrons pour contestation et puis pour nous faire suivi. Président sortant Wilfried Saint-Illus qui a brigué poste porte-parole dans le nouveau comité syndicat APN là, ça lié organisation élection ça yo, il dit qu'il est important pour assurer bon fonctionnement APN, Wilfried Saint-Illus qui dressait un bilan positif pour 5 années, il passé comme président syndicat, employé APN yo promettre pour continuer défendre intérêt employé yo, notre travail dans tête collée avec direction institution. Candidat pour poste porte-parole dans comité syndicat APN, Wilfried Saint-Illus est dans micro Radio Téléconscience haïtienne. Oh bon, résultat pour bon, c'est-à-dire après avoir 5 mandats consécutifs, donc mon employeur était jeté dévolu sur point, c'est parce que il estime que nous faisons un travail valable, palpable. Donc je ne vous dis à que moi gagne mon candidat pour porte-parole ou est tellement gagne mon porte-parole concurrent non mais porte-parole là campé devant moi juste pour montrer comment que nous même en APN que nous entendons nous et donc comment li gagne élection m'a balacolade li gagne m'a balacolade donc c'est un sentiment de satisfaction et on capable remarquer ça là tout parce que si résultat pas de bon moi pense que c'est pas accueil ça ou ta problème gagne dans la cour nous c'est continuité de la stabilité. Parce que je ne pas dire, si pas de stabilité, nous ne pouvons pas gagner APN. Et ensuite, toujours continuer le travail pour gagner une synergie bilatérale. Parce que je dis, le syndicalisme, ce qu'on soit comme un mouvement social, tend à créer l'harmonie au sein d'une entreprise. Par rapport, je dis toujours à préprocher, je dis, le syndicat, ça a toujours proche direction. Ou bien, proche direction, mais pas dans la poche. Li. C'est leur proche ou dans la poche, li, et les sorts, pas qu'à défendre les institutions. Parce que ni direction, ni syndicats, ces partenaires obligés nous parce que nous partageons des intérêts communs. Donc c'est-à-dire que ça a une grande satisfaction que m'a quitté tête comité syndical parce que m'a pas voulu tourner en dinosaure après avoir brigué 5 mandats, faut gagner la relève. Président sortant syndicat APN Wilfried Saint-Illus fait qu'on ait phénomène insécurité avec migration massive haïtienne dans l'autre pays, passe en conséquence sous APN qui est obligé d'adopter nouvelles dispositions. Selon Wilfried Saint-Illus, plusieurs employés APN prend bateau pour venir travailler à cause bandits occupés diverses régions dans le pays. Président sortant syndicat APN Wilfried Saint-Illus, tenant micro Radio Téléconscience haïtienne. Jusqu'à présent, l'institution a marché très bien. Par rapport au qu'on est, on a traversé une instabilité, par exemple, une insécurité galopante, une insécurité grandissante. Pour nous, venir descendre à la monsieur, je suis capable de dire que ce n'est pas aussi facile. Mais premier prise en charge, direction sécurité, c'est mettre que tout le monde qui vient travailler ou sécuriser pour non seulement pour traverser ces zones de surveillance et ensuite pour aller à la caillou. Mais il n'y a pas qu'à faire chaque grain de monde dans l'APN pour la maison qui est dangereuse, il sécurise l'employé pour l'année. Et au Paloué, il y a des employés qui sont de Miragouane, qui sont de Tigouave, ils prennent un bateau, ils rentrent à minuit et c'est sous waf là où dormir, sous pour dormir. Donc c'est pour montrer comment nous remet le syndicat parce qu'on joue vraiment en détail. Parce que c'est la stabilité ça qui fait qu'il n'y a pas qu'à révoquer n'importe qui. Après ça, nous sommes capables de dire que. Et pas de révocation massive. Il y a quelques transferts qui ont été faits, et puis il y a quelques révocations qui ont été faites, et au fur et à mesure que nous avons intégré. Exactement, il y a une fuite de cadres dans l'institution, parce que nous avons traversé une crise économique, politique et sociale, et plus politique, nous-mêmes, nous avons plus de monde qui est allé. C'est ça qui fait qu'on est là. Jeunes qui sont entrés, ils ont fait formation. C'est formé, formatisé. Ils ont formé. Et deuxièmement, tout, nous avons gagné un personnel, capable de dire pléthorique, et que les gens qui sont allés, ils n'ont pas dérangé l'institution. Parce que le ministère des Finances fait une obligation pour que nous baissions la masse salariale. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont allés, mais il y a des gens qui ont été formés pour remplacer. Parce que pas de possibilité pour embaucher les gens encore. Donc, c'est-à-dire, ça, donc, c'est des cadres. Nous capable de dire qu'ils ont une expertise. Qui a allé, mais quand même pas oublier, nous gagnons des la relève. Donc c'est-à-dire ça pas dérange l'institution parce que nous avons gagné vraiment un personnel pétrolier et que la boîte a commencé à désaturer.
C'est sous notre ça, nous mettons un bout dans la deuxième édition RTCH Info pour semaine là. Mais avant nous aller, rappel Titio. Un tribunal fédéral dans Miami condamné journée mardi 19 décembre 2023, ancien sénateur département de l'Ouest là, John Joel Joseph, pour passer reste la ville en prison à cause d'implication dans l'assassinat président Jovenel Moïse. John Joel Joseph, qui a 52 l'année, te reconnaît devant tribunal, il était comploté pour éteindre souffle Jovenel Moïse. Coordonnateur général collectif parti signataire accord Montana Met Issuik Théophin dénoncé jouet Roulem Debord CARICOM pour aider premier ministre haïtien Dr Ariel Henry rete sous pouvoir. Selon Met Issuik Théophin, CARICOM pa ka aider joignon solution nan crise la. Problème insécurité kap ravage pays d'Haïti depuis plusieurs années gen gros conséquences sur fonctionnement institution publique yo. Selon président sortant syndicat APN Wilfried Saint-Ilus, insécurité a obligé employé APN utiliser bateau pour venir travailler. Ces points ça yo ak divers lot nous te développé pour dans journal là. Merci pour fidélité ou capable suivre Radio Télé Conscience Haïtienne sur différentes plateformes tant que Facebook, YouTube, Instagram ak Twitter. Bonjour, bonsoir tout le monde.